I live in Serbia, but I'm Lebanese, but I grew up in the U.S. And Limino. Well, if I mess it up, it... Are we on? We are on. Est-ce que les micros sont branchés? Oui. Nous pourrions commencer? Oui, je pense. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance principale au cours de laquelle toutes les coalitions dynamiques se réunissent pour vous faire part de leur travail, pour leur faire part de leurs résultats et de répondre à vos questions. Nous avons 14 intervenants, c'est beaucoup, et nous avons des contraintes de temps. Mais soyez assurés que nous serons en mesure d'inclure toutes les personnes ici présentes et qui souhaitent poser des questions. Comment les choses vont-elles se dérouler? Nous divisons les coalitions dynamiques en petits groupes en fonction du champ dans lequel elles travaillent, en fonction des ODD. Je vais parler des ODD, les objectifs du développement durable. Je vais parler d'ODD tout simplement pour gagner du temps, en fonction donc de l'ODD qu'ils poursuivent. Et outre les questions sur notre travail, nous avons trois questions politiques principales. La première, question générale est de savoir comment est-ce que les politiques qui promeuvent la connectivité en ligne peuvent être, et l'utilisation d'Internet peut être utilisée pour être plus inclusive, plus participative, donc de baser et de promouvoir la participation et de garantir également l'inclusion des collectivités locales. La deuxième question se rapporte également sur le développement des nouvelles technologies telles que l'OIT, comment les sécuriser, tant au niveau des usagers finaux, mais également en ce qui concerne des mesures techniques. Et enfin, avec toutes ces technologies intelligentes développées, comment garantir que les réglementations, les législations et les politiques se concentrent sur les droits humains et garantissent la promotion des droits humains et leur respect. Sans plus attendre, je vais passer au premier groupe de coalition dynamique que nous avons, qui travaillent sur différents objectifs de développement durable, mais qui ont toutes quelque chose en commun, à savoir qu'ils sont là pour promouvoir la connectivité et l'inclusion. Bien entendu, c'est lié, bien entendu, à un objectif plus général. Les ODD, par exemple, bonne santé, éducation de qualité, égalité des sexes, travail décent, croissance économique, pour ne mentionner quelques-uns de ces ODD. Et j'aimerais poser la question aux coalitions dynamiques, leur demander. Donc, pour connecter les non-connectés, j'aimerais demander à l'intervenant, Christopher Wu, sur le travail. Je sais que vous avez travaillé sur la connectivité, et ce n'est pas la première séance de coalition dynamique que j'anime. Et très franchement, j'admire le travail réalisé année après année, car je sais qu'il est très important de connecter les personnes non connectées et réaliser les ODD tels que la réduction des inégalités et un travail décent et la croissance économique, pour n'en mentionner que quelques-uns. Qu'est-ce que vous avez fait cette année pour connecter les personnes qui ne sont toujours pas connectées et quels sont les défis pour les connecter? Merci beaucoup, Tatiana, pour cette introduction très aimable. Ce que nous faisons, c'est de collecter des données. Lorsque l'on parle des responsables politiques, des thèmes dont vous avez parlé, ils nous demandent toujours des informations fiables. Et il ne s'agit pas uniquement d'une question de ressources pour connecter les personnes. Il y a un consensus qu'il faut que les choses se fassent. Mais il faut savoir où investir et combien investir et mobiliser la communauté des bailleurs de fonds internationaux pour qu'ils connaissent également l'impact de leurs investissements. Et l'on constate qu'il ne faut pas connectivité pour une fin en soi, mais il s'agit en fait de contribuer à la réalisation des ODD. Et ce que l'on fait, c'est que l'on change en fait
l'objectif de cette connectivité pour savoir qu'est-ce que ça vous apporte. Première chose, nous avons une banque de données de 1000 personnes dans le monde que nous avons contactées et nous avons 120 études de cas qui ont été réalisées et cela permet d'avoir une comparaison entre les différents projets. Et bon, ceux qui recueillent des données, généralement, le font de manière telle qu'on ne peut pas véritablement comparer. Et souvent, les gens tombent amoureux d'une technologie et pensent que c'est la solution pour tout. Et ce que nous avons contacté, ce que les données nous disent, c'est que différentes solutions, même dans un seul et même pays, eh bien, différentes populations, qu'elles soient urbaines, rurales, montagneuses, éduquées, toutes auront besoin de types d'innovations ou d'interventions différentes. Et l'idée, ce n'est pas seulement de construire quelque chose parce que ces personnes vont venir. Non, il faut qu'ils soient formés aux techniques numériques. Et ils ont besoin des leçons, de la programmation pour savoir comment les faire et pour pouvoir véritablement travailler dans ce contexte. Pour vous donner un certain nombre de messages que nous avons appris, beaucoup de personnes sont inquiètes concernant les dépenses en capitaux. Eh bien, en fait, les dépenses d'exploitation sont beaucoup plus difficiles parce que si vous perdez de l'argent en exploitant le système, cela peut être également problématique concernant les inventions du côté de la demande. Mais en fait, les formations sur la culture numérique, les personnes comprennent que c'est nécessaire, mais ils ne savent pas véritablement ce que ça va être. Est-ce qu'il s'agit en fait d'une formation de base, plus avancée? Est-ce que c'est une formation de base ou est-ce qu'il s'agit en fait de développer ces connaissances au fil du temps? Et nous avons fait des analyses de ces différentes actions de manière concrète. Et souvent, nous avons constaté que la majorité des projets ne disposent pas de revenus. Ils ont reçu un prêt à l'origine ou un financement du gouvernement ou sont dans le cadre d'un financement, dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise. Mais ils ne sont pas forcément des financements durables. Et c'est la raison pour laquelle nous engageons les personnes qui mettent ces fonds à disposition de mettre en place des systèmes qui soient également des systèmes qui permettent d'avoir un financement durable. Et nous nous sommes penchés également sur l'impact de la connectivité sur la santé, sur l'éducation, sur le développement économique, comme l'a dit Tatiana, en utilisant la référence de la recherche, en faisant des essais aléatoires, par exemple, et des essais contrôlés, ce qui nous permet de faire une véritable évaluation. Et si vous êtes intéressé, nous vous recommandons de consulter notre site web oneworldconnected.org et nous vous encourageons à le consulter pour consulter donc nos résultats. Et je viens de réaliser que je ne me suis même pas présentée, donc je m'appelle Tatiana et Michael Olga est mon co-animateur et moi je suis Tatiana Tropina et je suis ravie de vous parler parce que ce que vous faites en fait dans la coalition dynamique pour connecter les non-connectés, mais ce qui est également important de prendre en compte, c'est qu'une fois que les personnes se connectent, c'est de savoir comment les engager et garantir également qu'ils puissent continuer à profiter de cette chance que leur offre Internet est l'éthique. Nous allons passer à présent Benella, car pendant des années, votre coalition dynamique a été essentielle pour combler ce fossé entre ceux qui ont accès et les personnes qui ont des handicaps. Donc, il était important de donner cette accessibilité aux personnes handicapées. Il s'agissait de réduire les inégalités, comme les mentionné dans l'ODD numéro 10. Donc, vous devrez présenter le travail que vous avez réalisé cette année, à savoir que vous êtes concentré sur la participation des personnes handicapées. Et nous souhaiterions savoir à présent quelles sont les façons dont vous avez catalysé la participation des personnes avec des handicaps et comment faire en sorte que les processus de gouvernance de l'Internet soient plus accessibles et plus inclusifs. Merci beaucoup. Oui, je suis ravie de reprendre derrière Christopher, car connecter les non-connectés est très important pour les personnes handicapées,
dans le sud, là où il y a des possibilités limitées à l'heure actuelle pour les personnes handicapées. Et nous savons qu'il y a plus d'un milliard de personnes dans le monde handicapées. Nous parlons d'un nombre très important de personnes. Et dans le sud, c'est à peu près 85% de ces milliards de personnes qui se trouvent dans le sud. Et par le passé, nous nous sommes concentrés, et nous continuerons à le faire d'ailleurs, à encourager les personnes handicapées à s'engager dans les processus de gouvernance de l'Internet. Et parmi le mouvement des personnes handicapées, c'est de dire que rien ne se fera sur nous, sans nous. C'est de dire que leur voix doit être entendue. Et la coalition dynamique sur l'accès et l'handicap, ça a été certainement l'une des premières coalitions qui a été réalisée au sein des RGF. Et l'une des façons dont nous agissons est d'évaluer dans quelle mesure est-ce que, par exemple, les locaux sont accessibles, notamment ceux de l'IGF, ainsi que les sites web, les accès Internet. Et nous discutons donc de l'accès dans le cadre dans lequel nous travaillons. Et il y a des bénévoles de notre hôte allemand qui ont été excellents parce qu'ils ont aidé les personnes handicapées qui avaient besoin de se déplacer dans ces locaux. Et cela nous a permis de discuter ensemble avec l'aide, le cas échéant, de l'IGF-SA de permettre à certains d'entre nous de nous rendre ici et de participer à cette semaine de l'IGF. L'accès pour les personnes handicapées est vraiment un thème transversal. Nous avons le sentiment que nous pouvons vraiment être en lien direct avec toutes les coalitions dynamiques ici présentes, car bien entendu, en connectant les personnes non connectées, l'Internet des objets dont nous parlerons ultérieurement, les thèmes de l'égalité des sexes, etc., etc., il y a des thèmes de la perspective des personnes handicapées dans tous ces domaines. Et comme vous l'avez dit, l'objectif ODD qui est vraiment très important pour notre CD, c'est de réduire les inégalités dans les pays, en particulier l'objectif 10.2 qui porte sur le développement des capacités socio-économiques et des possibilités de tous, indépendamment du sexe, de l'âge, de l'origine, de l'ethnicité, mais également du statut et du statut économique également. Et nous avons également fait référence à la Convention des Nations Unies des droits aux personnes handicapées qui a été signée par plus de 180 personnes qui nécessite l'engagement des pays dans cet engagement et nous pourrons en parler davantage ultérieurement. Donc je vous remercie tout d'abord de votre attention. Tatiana. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti. Donc, nous allons continuer le suivi ou la piste de l'inclusion, car c'est l'un des thèmes récurrents de ce premier bloc. Et y a-t-il des personnes ici présentes? Est-ce que Stewart est parmi nous? Stewart est arrivé en retard. Stewart, je suis ravie que vous soyez là. Manifestement, Stewart, vous travaillez avec l'accès au public aux librairies. Et les librairies sont devenues vraiment une façon essentielle pour fournir cette connectivité, particulièrement là où les connexions ne sont pas très bonnes ou là où la culture numérique est peu développée. L'un des ODD auxquels vous faites référence, eh bien, c'est l'ODD 17, à savoir qu'il s'agit ici des partenariats pour la réalisation des objectifs et il s'agit de donner la possibilité aux personnes d'avoir accès à Internet et, comme j'ai dit, de se concentrer sur les librairies et les institutions publiques. Et selon moi d'expérience, quels sont les éléments principaux d'une politique qui va soutenir les librairies
en tant que point d'accès Internet. Et qu'est-ce que votre CD fait à l'heure actuelle pour la réalisation d'une telle politique? Désolée d'être en retard. Nous avions une réunion d'une... La coalition dynamique, en fait, c'est la raison pour laquelle je suis quelque peu en retard. Et le thème était de savoir comment est-ce que nous pouvions avoir du succès dans le travail. Et bien, nous avons plus de 400 000 librairies publiques dans le monde. Et ce sont 400 000 accès ou points d'accès à Internet dans le monde entier. Et je pense que, par exemple, vous avez également les postes publics, mais les librairies publiques sont assez uniques dans leur genre, les bibliothèques. Et l'objectif, c'est de connecter, en fait, ces bibliothèques pour les personnes qui ne sont pas connectées, de les connecter mieux, qu'elles aient un accès au débit, là où il est possible de l'avoir, et de faire en sorte également que les bibliothèques soient intégrées dans les plans larges bandes qui soient inclus donc dans le plan de développement national et également, et nous souhaitons également avoir un plan de développement spécifique pour les ODD. C'est la réunion pour laquelle la séance que nous allons avoir consistait à faire un état des lieux dans le cadre de notre CD. Nous avons analysé 32 plans qui considéraient les bibliothèques comme des points d'accès, mais il y a encore beaucoup à faire et nous sommes très encouragés par le rapport de la Commission sur la large bande qui recommande les accès publics comme mécanisme d'inclusion. Et nous avons été très productifs cette année. Nous avons développé des principes sur l'accès public. Et c'est un cadre de discussion au centre de l'UGF pour donner un accès public, un accès universel à Internet. Et nous avons également parlé des objectifs pour connecter un autre milliard de personnes supplémentaires. Et nous allons vous montrer exactement comment est-ce que les choses se font sur le développement. Nous avons également une boîte à outils pour l'accès public où nous reprenons les différents accès clés politiques et les étapes qui sont nécessaires pour créer cet environnement qui permet aux personnes d'avoir cet accès. Je pense que c'est un excellent point de départ, comprendre quels sont les besoins. Nous avons également eu un engagement avec le partenariat pour l'accès public qui s'appelle, quoi, l'acronyme est P4PA, et nous y avons travaillé. Il s'agit également notamment du codage, de la culture numérique, et nous avons eu également des contacts également avec le panel de haut niveau du secrétaire général sur la coopération numérique. Il y a bien entendu de très nombreuses autres activités. Vous avez vraiment respecté le temps qui vous était imparti, donc merci beaucoup, Stewart. Tatiana. Merci beaucoup. Vous avez également très bien respecté le temps de parole qui vous était imparti. Tatiana, je te passe la parole. Oui, alors à ce moment-là, je voudrais faire une petite interruption pour voir s'il y a déjà des commentaires de la part du public ou questions qui ont été soumises en ligne. Ou sinon, est-ce que vous avez peut-être des questions à poser aux représentants des autres coalitions dynamiques? Si ce n'est pas le cas, on passe à la prochaine coalition dynamique. Normalement, Jane Coffin était prévue. Donc, il sera remplacé par Carlos Moreno. Merci d'être venu. Oui, veuillez m'excuser, j'avais pas trouvé Jane et donc j'étais un petit peu perdue. Donc, vous travaillez sur la connectivité à l'inclusion. Mais je sais que vous poursuivez une approche un peu différente parce que vous vous concentrez sur les groupes locaux sur place, donc vous suivez vraiment une approche démocratique hein, de base, et vous essayez donc de fournir un accès à ces communautés. Comment est-ce que vous procédez pour atteindre votre ou l'ODD pour lequel vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites en termes d'inclusion et comment s'inscrit votre travail? Votre travail s'inscrit-il dans les travaux des autres groupes? Merci. Oui, bien évidemment, je ne suis pas Jane Coffin, comme vous le verrez, mais je vais donc la remplacer. Je m'appelle Carlos Moreno. Et il y a déjà quelques années, donc concrètement,
C'est en 2016 donc, que j'ai commencé à travailler dans ce groupe. Notre coalition publie régulièrement un rapport qui se base sur les contributions des membres de la coalition. Il s'agit d'une publication ou d'un document qui est très important pour nous pour présenter nos idées, nos approches, qui proviennent du monde entier d'ailleurs. Moi aussi, j'étais un petit peu en retard, veuillez m'en excuser. Parce que moi aussi, j'ai encore travaillé avec ma coalition. Et en ce qui concerne les synergies entre nos deux coalitions, eh bien, nous travaillons également avec la coalition qui travaille sur l'accès public dans les librairies. Et il serait effectivement très souhaitable de ne pas organiser des réunions parallèles parce que ça nous pose un problème de discussion. Donc je reviens tout de suite à notre ODD, à la coopération que vous avez mentionnée, à savoir la coalition dynamique qui travaille sur les approches dynamiques. Parce que là aussi, cette coalition travaille sur la connectivité sur place. Auparavant, on pensait souvent que cette connectivité sur place serait quelque chose d'irréel, de irréaliste, d'utopiste, mais en fait nous avons prouvé le contraire. Et quel est notre lien avec les ODD? Pour nous, il s'agit prioritairement du ODD 9, c'est donc l'accès à Internet dans les pays les moins développés. Merci. Et quand il s'agit de mesurer cet objectif, avec des technologies mobiles. Quand on regarde les statistiques et l'augmentation annuelle, on constate qu'il s'agit d'une augmentation constante. Donc chaque année, très concrètement, un nombre croissant de personnes est connecté à Internet. Mais la rapidité atteint en quelque sorte un certain plafond. Donc, autrement dit, la rapidité diminue. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'autres approches, de nouvelles approches. Le réseau qui existait jusqu'à présent, et Madame Bogdan-Martin l'a déjà mentionné quand elle parlait de l'inclusion sociale. Et effectivement, elle a dit qu'il nous faut de nouvelles méthodes, de nouveaux chemins. Et c'est ce qui est également un point que nous soulignons dans notre rapport. Il nous faut discuter d'un nouveau cadre, d'une nouvelle approche pour la communauté. Merci. Normalement, on avait prévu 5 minutes pour pouvoir poser des questions. Et moi, j'aimerais tout de suite en poser une. Une question qui concerne un grand nombre d'acteurs. Donc, on a parlé du cadre politique, de la réglementation des investissements. Et pour moi, il y a une question qui me préoccupe. À quel point est-ce que vos travaux sur la connectivité dépendent d'investissements ou en général, est-ce que cela dépend vraiment des investissements, des fonds financiers, ou est-ce que cela dépend plutôt des outils qui existent déjà? Donc, dans quelle mesure est-ce que vous dépendez de fonds financiers et d'instruments existants? En fait, moi, je pense qu'on a besoin de tous ces éléments. Dans le cadre de l'IGF, nous avons vu que un grand nombre d'entreprises technologiques coopèrent, pensez à Telefonica, Facebook,
Et ces entreprises essaient de convaincre les gouvernements de renoncer à trop de régulations parce que ils essaient de mettre en place des modèles de gouvernance traditionnels ou conventionnels. Mais très souvent, ces réseaux, ces modèles traditionnels ou conventionnels ne fonctionnent plus. Et à ce moment-là, il faut regarder quelle est la situation sur place, quel est le système de formation sur place, de quel cadre réglementaire est-ce qu'on a besoin très concrètement. Et là, effectivement, on constate que dans plusieurs domaines, le système conventionnel ne suffit plus. Et pour bien comprendre cela, il faut comprendre que les ressources financières sont automatiquement, systématiquement limitées. En même temps, nous avons besoin de ces nouvelles technologies. Alors, il faut faire preuve de créativité, d'inventivité. Nous avons également parlé du besoin de devenir plus flexible dans les processus de régulation. Et c'est uniquement en poursuivant cette approche qu'on peut réussir dans les processus de régulation. Donc, une très grande partie de vos travaux dépend bien évidemment du financement, mais très souvent, dans la plupart des cas, les bibliothèques, les librairies font partie d'un système public avec les atouts et les inconvénients que cela implique. Et donc, dès que les fonds diminuent, on rencontre des problèmes. Là, dans ce contexte, on devrait mentionner l'ODD 17. Et dans ce contexte, les partenariats sont centrales, sont cruciaux. Nous travaillons avec tous ceux qui souhaitent se rallier à nos travaux. Et je pense que cela est une approche très judicieuse pour faire avancer cet objectif de la connectivité. Auparavant, nous avons déjà parlé du Fonds des services universels qui existe au Kenya et en Ouganda. C'est quelque chose de très positif, mais dès que les fonds disparaissent, on a un problème et il faut quand même être capable de poursuivre les travaux. Merci. Oui, effectivement, le financement, c'est quelque chose d'important, de central. Mais je pense, dans un deuxième temps, au moins en ce qui concerne la connectivité des communauté, le financement pose systématiquement un problème. Bien évidemment, il y a des possibilités qui permettent de générer des fonds financiers. Il y a toujours des acteurs qui sont prêts de mettre en place les infrastructures nécessaires, mais l'obstacle principal, c'est le cadre réglementaire et le spectre. Parce que actuellement, les personnes qui habitent dans les grandes villes sont bien positionnées, mais ce n'est pas du tout le cas des personnes qui vivent dans les zones reculées, dans les zones rurales. Parce que là, il n'y a pas encore un accès systématique à l'Internet à large bande. Nous avons mis en place une coopération avec des associations et on parle constamment des différents spectres larges bandes qui existent, pourraient être potentiellement utilisés par tous les utilisateurs. Mais très souvent, ce n'est pas un manque de fonds financiers, mais plutôt un manque d'accès aux larges bandes. Et cela a trait au ODD numéro 9C. En ce qui concerne l'accessibilité et pour les personnes handicapées, nous, effectivement, nous coopérons avec tous les acteurs concernés. Quand on regarde le cadre réglementaire, on constate que la législation est primordiale dans ce contexte parce que la législation peut envoyer un message très, très clair pour souligner que l'accès à Internet est essentiel. Et à ce moment-là,
le secteur privé comprend peut-être un peu mieux quelle est la nécessité de cet accès. Pour vous donner un exemple, il y a des processus d'acquisition qui se basent sur des processus accessibles, notamment en Australie ou dans l'Union européenne. Et il est vraiment très utile de pouvoir offrir des produits accessibles et si on peut les commercialiser, les vendre à des ONG, par exemple. La clientèle est potentiellement très, très grand. Il y a donc potentiellement une très grande clientèle qui s'intéresse de ces produits. Et il faut essayer de convaincre les fabricants qui n'ont toujours pas compris la nécessité de ces produits accessibles. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais passer au prochain sujet, à savoir la connectivité à l'inclusion dans une optique un peu différente. Et donc, ce sont les jeunes qui sont maintenant au centre de notre discussion. Et je voudrais vous demander pourquoi les jeunes sont-ils tellement importants dans ce processus et quels sont pour vous les éléments principaux dans ce contexte? Je vais donc passer la parole à Virginia Balsunyat-Knight. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui s'est passée au Pakistan. Il y avait un jeune qui était très actif, une jeune femme qui essaie d'améliorer le monde en dispensant une formation de jeunes filles et qui essaie de soutenir les veuves. Sachez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une triste histoire, mais pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? En fait, nous avons aidé cette personne dans un processus d'obtention de visa et nous étions vraiment très très contentes quand nous avons su que la personne avait la possibilité de venir ici à Berlin. Elle est donc maintenant parmi nous et elle défend les jeunes et les femmes au Pakistan. Et ici, elle a l'occasion d'entrer en contact avec les différents acteurs qui pourraient être éventuellement utiles pour son travail. Il s'agit de personnalités qui peuvent donner des conseils. Et je le cite tout simplement comme exemple qui doit illustrer ce que nous faisons. Nous représentons donc les jeunes et nous essayons d'instaurer des partenariats. Et nous souhaitons atteindre un maximum de jeunes en les contactant directement, nous les informant du IGF, de la gouvernance d'Internet au niveau régional et nous essayons de les sensibiliser pour ce sujet. Nous avons une longue liste d'adresses de courriels qui est prévue pour le transfert et l'échange d'idées. Nous proposant des formations. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est toute seule pour participer à un IGF, elle peut nous contacter et nous demander des informations et on va donc lui montrer comment les choses se passent. On va la conseiller. Et ça, c'est une approche très importante qui nous permet de former de nouveaux cadres potentiels. Puis, en ce qui concerne la représentation des jeunes et de leur position, nous sommes en fait la voix des jeunes du IGF et nous représentons les jeunes dans un forum politique. Nous sommes ici parce que nous avons créé une coalition des jeunes de la gouvernance de l'Internet. Et je pense que c'est une approche très précieuse
Et je pense qu'il est très important de faire exprimer, de représenter la position des jeunes. Lors du déjeuner, par exemple, on regroupe les jeunes, on les met en contact avec des représentants du secteur numérique de l'industrie. Et les jeunes ne disposent pas encore d'un véritable réseau. Et c'est là que nous entrons en jeu pour les aider à se connecter, à se réunir et à trouver les bons interlocuteurs. Avant de passer à la prochaine coalition dynamique, j'aimerais savoir s'il y a des questions qui ont été posées en ligne. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, cette coalition des jeunes nous permet de passer directement, d'une manière très élégante, au prochain sujet qui va traiter de la santé et la protection des groupes vulnérables, comme les enfants, par exemple. J'aimerais donc passer la parole à la coalition dynamique qui travaille sur le sexe. Je vais passer parole suite à Vania. Je sais qu'il s'agit là d'un OED des centrales et au cours des dernières années, il y a une plus grande conscience pour les abus sexuels et un plus grand intérêt à s'opposer à ces phénomènes. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter dans ce contexte? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre groupe? Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, il faut reconnaître que quand on parle des abus sexuels sur Internet et quand il s'agit de la violence basée sur le sexe, il sera toujours très difficile de trouver une solution parce que la violence n'est pas un phénomène simple. Il s'agit d'un phénomène très, très complexe. Il y a plusieurs niveaux qu'il faut prendre en considération. Très souvent, on n'a pas la possibilité d'accéder à Internet sans avoir un lien avec la violence. Mais en Inde, par exemple, on parle d'un accès très concret à Internet. Et dans mon pays, les femmes et les filles ont très souvent un téléphone portable, mais ils sont très fortement surveillés par leur famille. Donc, tout ce qu'ils font, toutes leurs activités en ligne sont contrôlées. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'incidences commises par des trolls. Et qu'est-ce que nous faisons donc concrètement? Nous essayons de soutenir les femmes, les jeunes femmes et les filles en les encourageant. Et il est très important de responsabiliser ceux qui sont les véritables auteurs de ces crimes. Parce que sinon, nous n'avons aucun moyen de contrôler ces actes violents sur Internet. Et il faut effectivement s'attaquer aux origines de ces actes violents. Ce n'est pas la responsabilité des jeunes femmes et des filles. Dans de nombreux pays, des photographies intimes de jeunes femmes sont diffusées sur Internet et cela ne constitue pas seulement une infraction des droits à la vie privée, mais cela est également une forme d'abus sexuel. La violence est quelque chose de continu. Ce qui se passe en ligne ne restera pas limité à cet espace, mais a également des impacts sur la vie réelle. Donc, il ne s'agit pas seulement de sujets d'actualité, mais également de nouvelles formes d'abus. Donc, l'abus sexuel, c'est un sujet très traditionnel, pour ainsi dire, mais il y a de nouvelles formes d'harcèlement sexuel. Quels sont les impacts sur les personnes
sexes différents. Très souvent, nous nous limitons aux femmes et aux jeunes femmes, mais il ne s'agit pas seulement des femmes et des hommes. Tant qu'on reste limité à cette sphère binaire, on ignore une énorme partie de ce spectre des sexes. Et je pense que notre coalition dynamique a le mérite de mettre ce sujet également sur l'agenda des autres forums. Donc je vais m'en arrêter ici. Merci. Merci beaucoup. Le manque de femmes en ligne pose problème en raison du harcèlement. Pas seulement les femmes et d'autres groupes marginalisés également. Nous tentons de construire sur ces technologies pour avoir un Internet inclusif, mais il y a tellement de personnes qui font face à des problèmes. Merci beaucoup. À part la question de genre et de diversité, un des groupes les plus exclus en ligne sont les enfants. Les enfants sont forcément impliqués, enfin, normalement pas dans la prise de décision politique. Je voudrais donc passer à Marie-Laure, pour savoir ce qui se passe au niveau des jeunes, pas seulement, mais surtout sur les plateformes de jeux, de gaming. J'y ai pensé. Le gaming, c'est une industrie incroyable qui repose à tel point sur les technologies d'interprètes. Et pourtant, les plateformes de gaming ne sont pas là. On n'en parle pas trop ici. Alors, quels sont les défis essentiels dans votre travail et comment est-ce qu'on fait pour atteindre les ODD, notamment par rapport à l'inclusion? Pour ne pas citer la santé et le bien-être et le partenariat pour les objectifs. Merci beaucoup. Nous avions une séance dédiée pour les plateformes de gaming et on a fait ça l'an dernier aussi. Parce qu'on avait le sentiment de n'avoir pas passé assez de temps là-dessus et on a voulu approfondir. Ces deux fois, nous avons tenté de mettre en place un panel bien équilibré représentant les différents secteurs avec la voix des jeunes gamers. Et je pense que nous avons atteint cet objectif cette année. Nous ne souhaitions pas avoir une approche anxiogène, puisque la plupart des parents et citoyens réagissent comme ça lorsqu'on aborde ces deux sujets. C'était intéressant. Il y a en effet un certain niveau d'anxiété, il y a des dangers, il y a des risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Ce matin, le bureau Kids Online a fait l'objet d'un rapport et l'une des conclusions par rapport à la méthodologie donc adoptée pour les enfants en dehors de l'Europe, et cela a été appliqué à 10 pays. Et on a trouvé que des enfants très jeunes, entre 8 et 12 ans, jouent déjà. Et c'est aussi une façon de développer des compétences sociales, collaboratives. Et c'est en fait la première marche d'un escalier vers l'engagement et la participation, c'est le côté positif. Mais nous avons évoqué d'autres sujets, tels que les entreprises qui utilisent des données collectées pour profiler les jeunes qui seront des consommateurs pour essayer de les attirer vers les jeux. Et ce serait là la partie dangereuse de la chose. Des modèles autorégulateurs dans l'espace en ligne ne fonctionnent pas vraiment. C'était notre sentiment. Il y a donc eu un consensus comme quoi il a fallu mettre en place un cadre législatif pour obliger les entreprises à mettre en place quelques standards de base. Voilà, ce sont des questions que nous avons abordées. Est-ce que je peux poser une autre question, Tatiana?
Je suis tout pour la transparence. Je suis moi-même gamer. Gamer ou gambler, donc jeu qui applique de l'argent ou pas? Non, non, gamer. Une chose que j'ai réalisée il y a longtemps, parce que je suis un ami des activistes en la matière, alors on m'a demandé pourquoi tu viens pas nous rejoindre. Et c'est une bonne question. Il faut explorer cela. Comment contacter les entreprises de gaming, les plateformes, etc. C'est une partie prenante qui n'a pas sa place ici. L'an dernier, nous avons quelqu'un d'une entreprise de Londres. Et pour la plupart des coalitions dynamiques, nous n'avons pas de budget. Donc, on essaie d'être créatif et d'inviter des gens qui pourraient payer leurs propres frais de voyage. On a trouvé quelqu'un de Londres qui est venu, qui n'a pas eu peur, en fait, un groupe de personnes qui allaient poser des questions un peu percutantes sur la responsabilité sociale, les standards de sécurité, etc. Mais oui, tout à fait. Nous avions une réunion des membres hier et il faut en fait que nous nous engagions davantage et que nous touchions davantage les entreprises de gaming pour créer des coalitions dynamiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Nous avons une question qui vient de Jean-Philippe et de Ruben. Que pense le panel de la loi américaine sur la protection des enfants sur Internet qui, justement, s'adresse à ces problèmes soulevés par la présence des enfants sur Internet? Des écoles et des librairies doivent utiliser des filtres Internet et prendre d'autres mesures pour protéger les enfants des contenus dangereux. Et ils doivent le faire pour obtenir des financements fédéraux. Je vais répondre à cette question. Oui, nos collègues américains, effectivement, ont travaillé dans le domaine de CEPA pendant de longues années. Si mes souvenirs sont bons, le financement fédéral, effectivement, est lié à cela. Des bibliothèques devraient donc appliquer des filtres sur l'accès à leurs ordinateurs afin que les enfants soient protégés. Beaucoup de bibliothèques ont trouvé des moyens de s'en sortir en la matière. Donc, l'intention était bonne, mais les conséquences, en fait, sont parfois quand même assez compliquées. Et la communauté des bibliothèques est contre des filtres sur Internet. On pense plutôt, ou on croit plutôt en la formation, la sensibilisation plutôt qu'aux filtres. CEPA a quand même fait quelques propositions, mais la communauté aux États-Unis essaie toujours de contourner. Merci. Une chose qui me vient à l'esprit pour les droits d'enfants en ligne. Beaucoup de pays deviennent protectionnistes. Et je crois que c'est un piège. Il faut faire attention. Lorsqu'on évoque les contenus dangereux où il faut protéger les enfants, souvent ce sont les femmes et les enfants, jamais les hommes et les enfants. Alors il faut déconstruire en fait ce concept de contenu dangereux. Par exemple, pour les vols et intrusions, lorsqu'il y a un aspect de sexualité là-dedans, les choses se compliquent. La sexualité, c'est quelque chose dont il faut avoir honte. Et c'est assez dangereux, finalement. Si on ne comprend pas la sexualité, on ne va pas pouvoir comprendre à quel moment il y a un souci. Et je crois qu'il va falloir en parler plus ouvertement. Alors, une coalition dynamique sur un équilibre à trouver en la matière, oui. Bon,
Il y a peut-être des gens qui le veulent, mais je ne pense pas à la base que d'aucuns souhaitent criminaliser, pénaliser la sexualité au-delà de l'âge du consentement sexuel, où les choses deviennent légales. Mais il nous faut distinguer. Il y a des contenus dangereux, c'est un fait. Et donc, il faut établir des règles autour de ça. Parler aux plateformes. Il y a des outils utilisables pour vérifier l'âge, etc. Il y a des études qui montrent qu'une surexposition à la pornographie adulte est nocive pour les enfants. Une surexposition, c'est assez complexe, en fait, comme sujet. Nous savons que dans certains pays, c'est un prétexte pour bloquer l'accès aux enfants, aux adolescents, à certains sites en ligne. C'est en fait une sorte de censure. Il y a aussi des facteurs culturels ou religieux. Ce ne sont pas les enfants en tant que victimes, mais l'exposition d'enfants à ces contenus-là. Tout dépend du niveau de maturité, de la connaissance des élus. Il est parfois difficile d'engager un discours sensé avec eux. Merci beaucoup. Je suis sûre que ce débat aurait mérité une séance à part entière. Est-ce que c'est une réponse directe? Oui, je peux prendre une intervention et après on passera à d'autres coalitions dynamiques. J'abonde tout à fait dans votre sens. Voilà pourquoi il y a un âge du consentement. Et ce n'est pas uniforme. Je suis d'accord. Il y a des risques, des dangers. Il y a des contenus dangereux. Nous venons du même espace. On veut impliquer les enfants dans le débat autour de ça. Donc là, en fait, nous sommes logés à la même enseigne. Merci beaucoup. Nous passons au prochain bloc, les coalitions dynamiques qui se concentrent sur les questions de l'innovation, de l'infrastructure, mais qui servent aussi les ODD comme fin zéro, etc., basés sur la technologie. Les questions qui nous sont chères. Nous avons Nicholas Smith. Nicholas, félicitations tout d'abord. Votre coalition dynamique a un an, je le sais. Et j'ai vu dans ce que vous avez soumis que c'est l'acceptation universelle qui vous est chère. Alors, quel est le lien avec les ODD? Quid de l'avenir? Un an, c'est beaucoup pour une coalition dynamique, mais en même temps, c'est très court aussi. Alors, une petite mise à jour, s'il vous plaît, sur vos objectifs et votre travail. Merci, Tatiana. Merci, Michael. C'est un honneur. Merci. Alors, la salle était très pleine hier et ce sont des attentes encore plus importantes pour 2021. J'ai commencé en fait avec un concept simple, à savoir l'Internet multilingue. Où souhaitons-nous en venir avec les accès, avec donc une acceptation universelle de la paix? Donc, c'est en effet cette acceptation universelle qui primait cette année. Alors, où pouvons-nous aller pour traiter cette information? Nous avons mené un sondage plutôt cette année sur la sphère publique pour revenir à l'ODD 9, Industrie, Innovation et Infrastructure. Alors, que ce soit le sondage ou une enquête auprès de nos membres, il y a eu différentes approches pour y parvenir. Mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'un Internet multilingue est ce que nous recherchons. Alors, un élément
que nous avons tenté de souligner cette année, c'est celui-ci. Nous avons battu campagne. Nous avons commencé à Paris l'an dernier. Nous avons passé une grande partie de cette année en réunion MAG à Genève. Nous étions également à La Haye. Donc, comment travaillons-nous ensemble de façon collaborative pour trouver des réponses, mais nous ne souhaitons pas faire des doublons non plus, par rapport à l'ICANN, par exemple. Donc, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Par rapport donc au dossier d'innovation, où nous souhaitons en venir, nous avions donc mené un sondage. Alors, l'an prochain, nous souhaitons réaliser un sondage encore plus complet avec différentes langues. Il y a un élément que nous continuons de prendre en compte, à savoir comment influencer ces conversations, comment faire. Est-ce que ce sont les gouvernements au niveau fédéral? Quels sont ce que j'appellerais des points de pénétration pour avoir un impact maximum? J'en resterai là. Merci beaucoup. Une question rapide. Vous n'avez pas encore dépassé votre temps. Est-ce que vous coopérez sur la communauté ICANN sur des questions techniques telles que les IDN? Oui, c'est un élément. Les aspects techniques, nous les laissons effectivement à l'ICANN. Et puis, c'est aussi une possibilité d'en parler avec les gouvernements au sein de l'IGF. Nous ne souhaitons pas interférer dans ce qui est déjà fait, parce qu'il y a les différentes entités responsables, mais nous souhaitons compléter leurs travaux, traduire du travail technique en travail politique et vice-versa. Oui, tout à fait. Merci. Bien, nous continuons. La blockchain. Alors, quoi qu'on pense de cette technologie, elle ne disparaîtra pas et elle est connectée au Halo DD9. Beaucoup de travail réalisé par votre coalition dynamique, dite DC, des réseaux décentralisés. Et dans le cadre juridique et social actuel, comment est-ce que la communauté Internet peut aller de l'avant pour libérer ce potentiel d'innovation pour les structures décentralisées? Et votre DC, comment est-ce qu'elle contribue à cela? C'est depuis Guadalajara que je suis engagée en la matière. Nous nous sommes intéressés donc à ces organisations décentralisées et ce qui prime, c'est le renforcement des capacités. Nous regardons les ODD, comment avancer là-dessus en tant que coalition. Il y a toujours une tentation, bien sûr, de penser à des cas individuels d'utilisation, mais si on fait ça, on tchatche et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut jauger les différentes technologies, mais on ne veut pas établir de hiérarchie. Notre objectif, c'est le renforcement des capacités à différents niveaux. Tout d'abord, pour rappeler aux innovateurs qu'ils n'opéraient pas dans un vide et que les réglementations finissent par nous impacter. Il y a eu des discussions dans les années 90. Et ensuite, renforcement des capacités avec le public général en disant que c'est une technologie novatrice. On va peut-être s'en servir simplement pour réinventer des structures décentralisées si on ne fait pas attention, puisque les humains restent des humains. Sur l'organisation décentralisée, les régulateurs, les avocats, les universitaires et les spécialistes en technologie travaillent dans leur domaine
Alors, comment peut-on arriver à des entités légalement formées? Il y a des entités qui existent dans le monde entier. Oui, ce sont des systèmes décentralisés. Alors, quelle est la juridiction compétente? À quoi est-ce que cela ressemble? Et dans quelle mesure faut-il qu'il y ait une interaction avec la juridiction ou est-ce qu'on peut rester décentralisé? L'objectif a donc été de renforcer les capacités, comprendre que lorsqu'on utilise ce terme, ce n'est pas quelque chose de spécifique, mais plutôt un spectre, une gamme. Et beaucoup de collègues ont dit que tout réside justement dans ce spectre, dans cette gamme. Et on essaye de construire une approche donc multipartite pour aider les juristes et les techniciens à aboutir à des réglementations pour que tout le monde comprenne dans la salle. Songez au principe qu'on souhaite retenir dans le cadre de cette réglementation pour une représentation formalisée. On le fait en même temps dans d'autres domaines d'innovation aussi qui nous intéressent particulièrement. Auparavant, par exemple, dans la collecte de fonds, et on a construit un programme de travail autour de cela. On a tenté de bien comprendre la protection des données dans le cadre de la blockchain, par exemple, et de la décentralisation. Mais nous continuons de faire du renforcement de capacités avec le grand public. Ce n'est pas tchatché. Non, c'est important, il faut bien comprendre et opérer un distinguo entre un essor un petit peu exagéré et puis des choses importantes. Merci beaucoup pour cette approche très pragmatique. Merci beaucoup. Je l'arrive à une autre coalition dynamique sur l'Internet des objets. Comment distinguer ce qui est exagéré de ce qui est important ici? Nous savons que cela contribue beaucoup à plein de choses. Ça peut être donc à tous les niveaux. Prenons la cybersécurité. Quand on lit la presse, on voit des grands titres qui utilisent presque un langage militaire, comme quoi l'Internet des choses peut être une arme pour une grande cyberattaque. Marcon Botternan, qui représente la DC sur l'Internet des objets, abrégé IoT, comment faire pour que ces appareils soient sûrs? Les utilisateurs finaux ne sont pas toujours complètement rationnels, mais que peut faire l'industrie aussi pour donc séparer l'exagération de la réalité? Je sais que ce n'est pas évident d'être bref, mais je vous prie d'essayer. Vous avez déjà soulevé des points très importants. L'IoT fait partie de l'Internet. Cela pénètre nos vies, on en trouve partout. Même dans les veines, mais aussi, par exemple, dans la lutte contre la faim. Ces technologies sont tellement importantes pour différents types de gestion que cela fait vraiment la différence. On en a besoin, c'est une évidence. Alors, comment prévenir les abus? Et comment éviter que ce soit utilisé à d'autres fins? Il y a les deux côtés de la médaille. On peut utiliser ces appareils pour lancer des attaques majeures contre des cibles. Et il est vrai que beaucoup de ces appareils sont là aujourd'hui et sont mal protégés. Et d'autre part, on peut utiliser l'appareil pour attaquer l'utilisateur lui-même. On peut détruire des cultures, par exemple, ou encore le terrorisme. On peut utiliser ces appareils connectés au corps pour attaquer le corps directement.
ou simplement pour énerver un peu votre ex-femme en augmentant la température dans sa maison à des degrés un peu chauds. Ça peut paraître ridicule, mais on peut acheter ces services. On peut aussi acheter ces services malveillants. Donc, il faut réagir. Et je conviens de ce distinguo à opérer par rapport aux utilisateurs. Il y a les entreprises, il y a les gouvernements qui mesurent la densité du trafic ou que sais-je. Et il faut espérer qu'ils prennent les bonnes mesures avec la capacité qu'il faut en interne. Les consommateurs n'ont pas cela. Donc il faut aider les consommateurs en sensibilisant. Des articles dans la presse, par exemple, aident quand même à la sensibilisation. On devient curieux, on essaye d'avoir des comportements responsables, mais aussi en classifiant, en notifiant, en notant, pardon, les différents appareils afin que tout le monde sache comment ils utilisent les données et protègent des données qui peuvent être privées. Donc, sensibiliser, faire en sorte que les utilisateurs aient pleine connaissance des risques inhérents à certains objets. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Non seulement parce qu'il y a déjà beaucoup d'appareils qui sont là et qui ne sont pas du tout protégés, mais aussi parce qu'il y aura d'autres appareils qui seront construits et qui seront là et qui seront peut-être bon marché ou juste plaisants. On peut donc proposer aux consommateurs des espèces de verrouillage, tout comme ils auront peut-être leur argent dans un tiroir qui ne sera pas fermé à clé. Et dès qu'on a pu passer la porte d'entrée, on pourra se servir. C'est pareil pour l'intérieur. Pour l'électronique. Mais on ne peut pas laisser cela au seul consommateur. Il faut obliger les fournisseurs d'outils et de services. Et les fournisseurs d'accès doivent également être au courant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je devrais transférer cela ou pas? Donc il faut vraiment sécuriser les réseaux. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous y travaillons, nous commençons, on n'y est pas encore, mais on y arrivera. Merci Martine. Y a-t-il éventuellement une intervention? Et j'aimerais un exemple de collaboration entre les coalitions dynamiques. Nous avions organisé une séance thématique sur l'Internet des objets. Et ça a parlé donc des différents appareils utilisés. Et il y avait cette catégorie mentionnée par Martine, à savoir qu'il y a cette sous-catégorie dans laquelle les enfants sont les utilisateurs de ces appareils. Des consommateurs, trait d'union consommateurs. Et Martin est d'accord, mais lorsque l'on parle des enfants comme consommateurs ou comme utilisateurs, il ne faut pas penser aux enfants comme étant des utilisateurs responsables. Il y a des risques d'abus du fait de leur âge. Ça, c'est le premier aspect. Et les entreprises devraient également appliquer des statuts supérieurs en termes de sécurité et de protection. Et nous savons que les données sont recueillies sur ces enfants, pas forcément cryptées. On ne sait pas véritablement ce qui se passe avec ces données. Ce sont souvent des utilisateurs qui ont moins de 18 ans. Et il y a également d'autres problèmes. Par exemple, il y a un jouet qui entame la conversation. Donc, c'est un outil qui se base sur l'intelligence artificielle et qui communique avec les enfants. Et cela permet à l'enfant de détecter des signes d'abus et entame la conversation avec l'enfant. Et nous devons discuter ici de ces thèmes de la responsabilité, car si c'est un thème important, il faut en parler avec un adulte. Et que se passe-t-il si l'adulte est celui qui abuse de l'enfant? Que se passe-t-il si l'enfant ne réagit pas ou si l'entreprise n'a pas de système d'alerte? Donc, où est la responsabilité ici? Donc, de nombreuses questions se posent ici. Il y a peut-être un besoin de soins ici et la question se pose. Merci.
Et il faut voir également comment ces différentes coalitions dynamiques sont liées les unes aux autres et dans leur travail. Y a-t-il d'autres questions? Car j'aimerais demander à Martine et à Carla. J'aimerais demander la chose suivante. Oh, je vous prie de vous excuser, je vous en prie. Je souhaitais également mentionner la liaison, le lien qu'il peut y avoir entre l'handicap et l'accès, donc notre coalition dynamique, et la coalition dynamique sur l'OIT, l'Internet des objets. Il y a 2 ans, nous avons organisé un atelier sur l'Internet des objets et sur l'accès, et Martin y avait participé. Et nous avons eu un panel très divers, et de nombreux thèmes avaient été abordés, et l'interopérabilité était également très importante, car les personnes disent qu'avec leur handicap physique, il y a des technologies qui sont déjà disponibles. Mais comment est-ce que ça fonctionne avec un appareil intelligent, une maison intelligente? Car il s'agit également de la question des interfaces des utilisateurs dans ces appareils OIT. Car la question est de savoir est-ce qu'ils vont être accessibles aux personnes handicapées. Donc ça, c'est 2 aspects qui avaient été abordés. Et nous allons continuer donc notre collaboration avec la coalition dynamique sur l'Internet des objets. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Donc à présent, je pose ma question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mais l'Internet des objets et la chaîne de blocs. Si vous pouviez mettre en œuvre un règlement qui permettrait quelque chose ou qui serait une restriction, où vous diriez non, nous n'avons pas besoin de réglementation, nous pouvons nous organiser par nous-mêmes. Y a-t-il un tel sujet? La réponse est, en tout cas, je réponds en ce qui me concerne, bien entendu. Oui, bon, bien entendu, vous répondez dans votre pour vous-même. Bon, on a déjà perdu cette bataille depuis longtemps qu'on nous laisse régler les choses par nous-mêmes. Mais nous souhaiterions qu'il y ait des règles qui soient neutres en termes de technologie. Car lorsque vous appliquez quelque chose, par exemple, à la technologie de la chaîne de blocs, eh bien, dans ces cas-là, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'applique uniquement à la chaîne de blocs, parce que parfois, vous mettez quelque place autre chose, en fait, qui n'est pas forcément pertinent. Ou alors, vous définissez ou vous ciblez ce qui existe à l'heure actuelle, et ça n'explique pas plus demain. Donc, nous pensons que les règles devraient être neutres en termes de technologie, de ne pas cibler une technologie en particulier. Et donc, il faut avoir des règles auxquelles les technologies n'adaptent pas, mais qui ne soient pas ciblées spécifiquement par elles. Nous travaillons également avec la coalition sur les valeurs clés de l'Internet. Et demain, nous aurons également une séance communée à 9h30. Merci. Concernant la législation, il existe déjà de très nombreuses règles, par exemple. Les avions, les voitures sont remplies de ces équipements, de ces appareils qui sont gérés par l'Internet des objets. Il y a déjà de très nombreuses règles qui existent. Et si on devait mettre en place une règle, eh bien, il devrait être une règle qui s'applique à un comportement responsable, d'agir de manière responsable, effectivement. Et ce serait certainement en fait des bonnes pratiques ou des meilleures pratiques ou des pratiques exemplaires que l'on pourrait également présenter. Je vois plusieurs mains se lever. Merci. C'est un débat intéressant, donc des règles neutres en termes de technologie. Mais en ce qui concerne la formation et par exemple des juges ou des forces de police, il est important qu'ils sachent comment appliquer la loi dans le cadre de ces nouvelles tendances. Et ce qui se fait par exemple pour les abus d'enfants à distance. Parce que normalement, il y a ces législations sur lesquelles il faut avoir un contact physique pour avoir une qualification de viol. Donc il y a déjà des pays dans lesquels on parle, par exemple, d'une façon de ces soins à distance également, mais dans ces cas de jurisprudence, eh bien, il faudrait voir exactement ce qu'il en est. Et par exemple, il s'agirait éventuellement de meilleures pratiques pour la jurisprudence. Est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose? Non, parce que il y a en fait différents aspects, différentes applications dans le monde de l'Internet des objets et
Il s'agit bien entendu d'avoir un consentement explicite et éclairé. Et ça, c'est également quelque chose dont nous devrions parler, car c'est un domaine en plein développement et les gouvernements n'ont pas de positionnement encore très, très clair. Et je ne pense pas qu'il s'agit uniquement d'appliquer des règles supplémentaires, mais il faudrait avoir en fait des règles de la protection de la vie privée qui soient bien conçues, ce genre de choses. Et effectivement, c'est un point important à savoir que lorsque l'on parle de l'éthique et des valeurs, par exemple, lorsque l'on parle de ce qui s'est fait, par exemple, de ce type d'équipement, avec Google Glass, par exemple, la police chinoise a accepté quelque chose de très utile et d'autres pays réfléchissent éventuellement à d'autres règles ici, car la majorité d'entre nous viennent d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord et nous ne pouvons pas imposer nos valeurs au monde. Et c'est la raison pour laquelle cette technologie doit respecter les valeurs dans lesquelles elles sont exercées. Concernant donc ces applications intellectuellement neutres, oui, je suis parfaitement d'accord. Et lorsqu'on en parle ici de le renforcement des capacités, c'est effectivement un aspect. Martine parlait également des règles existantes. Il existe déjà énormément de règles et souvent les technologies ne réalisent pas vraiment la chose. Donc il s'agit de l'éducation pour tous et je pense que bien entendu ces règles neutralement neutres seraient en fait la position par défaut ou l'application par défaut et il pourrait éventuellement avoir des capacités exceptionnelles qui permettraient quelque chose de beaucoup plus spécifique. Mais bon, ça, on parle également d'autres choses. Donc merci d'avoir une discussion aussi animée. Et avant de passer au thème suivant, j'ai également une question. Est-ce que vous me permettez de la poser? On n'a plus le temps. Vous avez 30 secondes. Je vais être très rapide. Et l'un des problèmes, à mon sens, de ces ODD, c'est que lorsqu'il s'agit de l'ODD 9, eh bien, il s'agit de la connexion entre les infrastructures et, par exemple, la consommation, autre chose, et notamment l'énergie propre et ces nouvelles technologies dont nous avons besoin. Et surtout, lorsque l'on parle de la chaîne des blocs et de l'Internet des objets, il s'agit d'autre chose. Et l'une des critiques principales qui a été exprimée, c'est qu'il s'agit des technologies qui consomment énormément d'énergie et l'aspect de pérennité n'est pas forcément pris en compte dans la conception. Et j'aimerais que vous exploriez ce domaine, car c'est quelque chose dont on ne m'a pas su. Et qu'est-ce que vous recommanderiez? Et lorsqu'il s'agit ici de garantir que la durabilité est incluse dans ces technologies, que l'on crée des technologies de façon telle à ce qu'elles respectent également la planète sur laquelle nous vivons, et comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant? Bon, c'est deux problèmes distincts, la chaîne de blocs, Bitcoin et ce type d'activités qui génèrent beaucoup d'activités informatiques. Mais pour l'Internet des objets, il y a deux choses. On ne peut pas forcément gérer l'ensemble de la chose parce que, par exemple, la qualité de l'air, par exemple, avec des capteurs, peut automatiquement être connecté, par exemple, à des indications concernant la qualité de l'air autour des routes ou cela pourrait ainsi entraîner automatiquement une réduction de la vitesse, par exemple. Et il ne s'agit pas uniquement d'utiliser de l'énergie, mais c'est également de donner ce dont on a besoin et de mesurer la pollution dans les océans, le taux de salinisation et, ou l'augmentation de la température. La bonne chose, c'est que beaucoup de ces appareils ne sont pas liés au réseau et sont aussi efficaces qu'ils ne peuvent l'être, car il est très difficile, par exemple, lorsque l'on parle d'un panneau solaire, par exemple, vous pouvez également les utiliser.
Et vous avez souvent des connexions avec des appareils solaires qui font que souvent ils ont une manière de les utiliser qui permet de réduire l'utilisation d'énergie. Ça, c'est l'avantage également. Vous les utilisez en fait pour réduire votre consommation d'énergie. Mais effectivement, c'est un commentaire pertinent. Et ça va être très difficile de l'éclairer parce que... Bon, nous ne sommes pas pour un mécanisme par rapport à un autre, mais je pense qu'il faut toujours peser le pour et le contre. Et il y a toujours, bien entendu, des mécanismes de compensation également. Il s'agit toujours, bien entendu, d'un équilibre que l'on tente de trouver. Et nous pensons que nous pourrions peut-être trouver, en fait, ce type de règles. Parce que bon, le thème de la consommation d'énergie, c'est encore autre chose. C'est peut-être tout ce que je souhaiterais dire. Parce qu'ici, en fait, il arrive à trouver un compromis ou un échange. Donc, c'est une excellente discussion. Et enfin, nous avons encore plus de questions. Et nous allons passer au dernier bloc, à savoir que nous avons quatre autres coalitions dynamiques qui travaillent pour leur part sur les institutions de sécurité. Mais leur travail est également lié à la réduction des inégalités et aux innovations industrielles et à d'autres règles. Et j'aimerais commencer par la Commission dynamique sur les droits et les principes d'Internet avec Minda Moreira. Et votre coalition dynamique est étroitement liée, bien entendu, à l'objectif de développement durable numéro 13, mais j'ai également constaté que vous travaillez également sur la réduction des inégalités et vous faites également la promotion de l'accès à Internet pour les minorités et les groupes marginalisés tels que les réfugiés. Et j'aimerais que vous nous présentiez davantage ce travail et vous avez travaillé également sur la charte et les principes des droits humains sur Internet. Bon, comment est-ce que les deux vont de pair et comment avance le travail de votre coalition dynamique sur ce point? Merci. Merci. C'est une excellente question. Et les droits des réfugiés est quelque chose auquel nous travaillons depuis plusieurs années. Et c'est lié étroitement à la charte. Car nous avons la charte des droits humains et des principes donc pour Internet qui est constituée de 21 droits et de 10 principes. Et notre travail est de promouvoir cette charte. Et ce que nous avons fait, c'est de reprendre ces droits et de voir quels groupes doivent avoir leurs droits protégés en ligne. Les réfugiés et les migrants étaient l'un de ces groupes. Nous avons tout d'abord analysé le droit à l'accès à Internet. Et c'était l'une des choses. En ce qui concerne les réfugiés, ce droit à l'accès n'est pas si noir et blanc, car tout le monde qui est un réfugié, ou chaque personne est réfugiée, n'a pas forcément le droit à l'accès. Et s'ils sont en centre de détention, ils peuvent être très contrôlés. Et l'accès qu'ils ont est souvent très limité. Nous avons également parlé d'autres groupes, par exemple, les personnes comme en Grande-Bretagne. Si vous n'avez pas une adresse, il est très difficile d'avoir un accès en ligne. Par exemple, dans une bibliothèque ou ailleurs. Donc, le droit à l'accès à Internet est quelque chose qu'il convient d'analyser. Et il s'agit également du droit à la non-discrimination et à l'accès aux services publics. Et c'est étroitement lié, bien entendu, à ces groupes des minorités, car le droit à la protection des parties privées et les droits à la protection des données numériques, tout cela sont des droits que nous avons également dans cette charte. Et dans le cas des réfugiés, nous avons pensé qu'il était vraiment très important d'aborder le droit à le caractère privé de ces données, la protection des données personnelles et dans les centres de détention. Et même lorsqu'il y a un accès
de base, il est important que ces personnes aient la possibilité d'avoir accès à Internet pour pouvoir contacter leur famille, pour pouvoir chercher des informations, même pour être tout simplement en sécurité. Et nous pensons qu'il est très important de se pencher sur la question. Et il s'agit également de la droit de la protection des données numériques. Donc nous nous étions concentrés sur les réfugiés, mais également sur le thème de l'intelligence artificielle, sur les technologies émergentes, sur la chaîne de blocs. Et l'une des préoccupations était l'utilisation des technologies émergentes ou de l'intelligence artificielle dans les camps de réfugiés. Parfois, c'est une expérience qui est menée. Et la question que nous nous posons, c'est qui est responsable? Où vont les données? Qu'en est-il du droit de ces réfugiés, de la protection de leurs droits? Y a-t-il la moindre transparence? Y a-t-il des groupes qui collaborent ensemble, le gouvernement, la société civile, les réfugiés eux-mêmes? Donc, c'était toutes des questions très importantes que nous souhaitions aborder par l'intermédiaire de cette charte et du travail que nous avions réalisé. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup, car vous nous avez montré ici un autre angle de vision de la connexion des personnes qui ne sont pas connectées et de l'inclusion de ceux qui sont exclus à l'heure actuelle. Mais pas d'un point de vue technique, mais du point de vue des droits humains. Des droits humains, mais également en particulier sur le principe de la responsabilité. De la responsabilité de ces ensembles de données qui sont générées à cette ère numérique. Et je pense que c'est également un passage très intéressant, cette idée de responsabilité. C'est la raison pour laquelle je vais passer à Nicolas Zagalis à présent. Et j'aimerais vous demander de nous parler davantage de ce sujet dont nous avons beaucoup entendu parler, à savoir en ce qui concerne la responsabilité des plateformes. Et nous entendons également certaines variations de ce thème d'une manière ou d'une autre. Et c'est à l'ordre du jour, mais d'une manière un petit peu préoccupante. Il s'agit de la réglementation des contenus, on parle souvent des restrictions, et on ne parle pas, par exemple, d'échecs de marché, par exemple. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de votre travail, travail que vous avez réalisé ces dernières années, ces 5 dernières années. Donc, félicitations pour ces 5 années au sein de l'IGF. Donc, sur quoi concentrez-vous votre travail à l'heure actuelle? En quoi est-ce qu'il a évolué ces dernières années? Et qu'en est-il donc de cette gouvernance collective? Et dans quelle mesure est-ce que cela contribue à la réalisation des ODD? Michael, merci beaucoup, Michael. Au cours des 5 dernières années, nous nous sommes penchés prioritairement sur le passage de principes plutôt vagues, à savoir les lignes directrices des Nations Unies pour les entreprises, vers des lignes directrices très concrètes pour les plateformes. Et cela a trait également au principe de la responsabilité. On a donc une responsabilité vis-à-vis non seulement un seul individu, mais vis-à-vis une communauté entière. Et nous devons comprendre très concrètement quelle est la fonction de ces plateformes. Et il faut également mettre en proportion cela au mécanisme du marché. Et là, il faut également parler de l'échec des marchés. Dans un premier temps, nous avons donc défini ce concept et après, dans un deuxième temps, nous nous sommes efforcés d'instaurer le droit, un règlement de différends, pour pouvoir contraindre les entreprises d'assumer leurs responsabilités. Après, nous avons réalisé un sondage sur différentes plateformes pour en déduire des meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne le droit à un recours juridique. Et nous avons constaté qu'il y avait des réponses très différentes en fonction des valeurs qui sont défendues par les plateformes.
Nous avons également eu des réactions de la part de nos membres concernant les valeurs qui devraient être prises en considération lors de l'élaboration de lignes directrices pour les grandes plateformes. Et nous avons donc essayé de harmoniser ces deux concepts, donc les valeurs économiques et les valeurs d'ordre éthique, c'est-à-dire quelle est la valeur qui est générée par une plateforme et quelle est la valeur qui est déduite par une autre plateforme qui utilise justement cette première plateforme. Et il fallait donc arriver à une combinaison harmonieuse de ces deux approches. Et dans ce contexte, on parle donc des droits fondamentaux, de la protection de l'environnement, du travail, des normes de travail, etc. Je pense qu'entre-temps, nous avons compris qu'il faut vraiment bien comprendre quel est le contenu, la signification concrète de ces valeurs pour que les autorités de régulation puissent se baser sur ces valeurs. Pour mon groupe de travail, je peux vous dire que nous sommes mis d'accord sur certains principes qui seront à la disposition des autorités de régulation pour identifier des valeurs et des lignes directrices. Et l'année prochaine, nous comptons publier un glossaire pour la régulation de plateformes. Et nous pensons également à la rédaction d'un manuel dans ce contexte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de questions de la part du public. Donc moi, par contre, j'aurais une question concernant la régulation des plateformes. Il s'agit effectivement d'une notion dont personne n'a parlé il y a 5 ans. Mais effectivement, nous ne devrions pas du tout négliger cette question, cette notion. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous travaillez dans le domaine des droits de l'homme. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que la régulation devrait se baser sur une approche humaine? Est-ce que les gouvernements devraient agir maintenant parce que les plateformes elles-mêmes n'ont pas réussi à mettre en œuvre les droits de l'homme? Est-ce que vous pensez qu'une une régulation légale pourrait être la solution? Je sais que c'est difficile, mais je pose quand même cette question. Vous avez raison, il s'agit d'un sujet très complexe. Nous œuvrons en faveur des droits de l'homme en tant que point de départ systématique. Selon nous, les entreprises dispose d'autres possibilités pour vérifier si les droits de l'homme sont vraiment respectés. Mais ce n'est pas l'entreprise à elle seule qui peut procéder à cette évaluation. Il doit y avoir des évaluations externes. Donc, il faut vraiment que les droits de l'homme soient inclus dès le début. Je me rallie à cette position. Je pense que les États sont obligés de faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Bien évidemment, on peut laisser tout au marché, mais il faut quand même que les autorités, que le pouvoir public assument la responsabilité de contrôler ce qui se passe sur ces plateformes. Et dans ce contexte, il faut reconnaître que dans une société qui est basée sur les plateformes, il n'y a pas un seul État. C'est l'ensemble de la communauté d'Internet qui doit se coordonner pour résoudre ces problèmes. Merci. J'aimerais vous poser une toute dernière question. Nicolas, qu'est-ce que vous pensez quand il s'agit du développement et des négociations sur ces régulations? Quel devrait être le rôle des plateformes? Est-ce qu'elles devraient discuter avec les gouvernements pour exercer une influence ou est-ce qu'elles devraient être exclues de ce processus? Voilà, ça c'est la question centrale. Cela dépend de la question concrète, du problème concret. Nous savons que les acteurs
peuvent assumer différents types de responsabilités en fonction du problème qui est posé. S'il s'agit vraiment d'une large notion de la régulation, il faut tout d'abord se poser la question de savoir quelles sont les valeurs que nous souhaitons défendre, quels sont nos objectifs et quelles sont les différentes étapes. Et très souvent, on ne fait même pas le premier pas, mais cela est très essentiel pour pouvoir avancer. J'aurais peut-être dû préciser que nous avons rédigé ce document. C'est une édition spéciale qui est disponible partout. Dans cet ouvrage, nous avons donné quelques exemples qui sont très utiles pour tous ceux qui n'ont pas toujours très bien compris de quoi il s'agit concrètement. Juste pour clarifier, je sais qu'au cours des dernières deux années, un grand nombre d'acteurs s'est plaint d'un trop d'appels à la régulation de plateformes. Et très souvent, c'était des négociations qui se sont faites en cachette, pour ainsi dire. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle devait être la contribution des plateformes dans ce contexte, dans ces négociations? Melinda, vous souhaitez y répondre? Oui, effectivement, la régulation est essentielle. Mais nous l'avons déjà dit quand on se réunit. Qu'on se réunit ou pas, ça dépend vraiment du problème concret. À mon avis, il est primordial que les différents acteurs intéressés coopèrent. Hier, on a eu un atelier qui a été consacré à la gouvernance des données et à l'intelligence artificielle et à l'avenir des droits de l'homme. Et on a justement abordé ce sujet-là. Parfois, le législateur ne sait pas trop quels sujets sont abordés dans ce processus législatif. Donc, il faut réunir un très grand nombre d'experts différents pour travailler sur ce processus de régulation. Il y a encore un commentaire de Christopher. Est-ce qu'on a déjà une coalition dynamique consacrée à l'intelligence artificielle? Non, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. C'était très intéressant d'avoir votre commentaire. J'ai souvent cité Christopher Morrison. Il s'agit effectivement d'une question très controversée. L'IGF est basé sur une approche multipartite, c'est-à-dire toutes les parties intéressées doivent être intégrées dans les discussions pour arriver au meilleur résultat. Et dans certains processus régulateurs, il y a peut-être trop peu d'acteurs qui sont intégrés. Il se peut qu'il y ait des grandes entreprises qui aient trop d'influence. Et je dois avouer que nous n'avons pas encore trouvé la meilleure solution. Mais je pense que les deux approches ont leur justification. Et il est très difficile d'y trouver un bon équilibre. Je voudrais encore faire un commentaire là-dessus. On parle des plateformes et je pense à une question très controversée qui mérite, je pense, une discussion. Ce qui est vraiment central, ça c'est le modèle commercial. Je suis désolée, mais à chaque fois on constate qu'il y a une surveillance de la part des acteurs capitaliste. Donc, quand on parle des plateformes, comment rendre la plateforme responsable s'il s'agit d'une plateforme qui souhaite uniquement de faire des bénéfices? Je suis désolée, mais non, en réalité, je ne suis pas du tout désolée. Bon, à ce moment-là, on devrait modifier le modèle commercial si ce n'est pas conforme à la législation en vigueur. Il y a effectivement cette notion du capitalisme de surveillance et effectivement, il y a une possibilité de collecter
c'est des données qui est conformes aux normes de protection de données. Et cette possibilité est au bénéfice et des utilisateurs et des entreprises qui souhaitent publier de la publicité. Donc, on veut inciter les utilisateurs de passer un maximum de temps sur ces plateformes pour justement collecter des données. Mais il y a quand même des approches responsables. Jusqu'à présent, on n'a pas de définition concrète de cette valeur, une valeur dans une société basée sur les plateformes. Et cela génère toute une multitude de possibilités. Donc tout d'abord, il nous faut trouver une définition très claire de cette notion de la valeur. Et cela pourrait nous permettre d'arrêter tous ces excès qui existent actuellement sur Internet. Moi, normalement, je voulais attendre mon tour, mais je voudrais quand même commenter là-dessus. Nous savons très concrètement ce que c'est une valeur. C'est la publicité, parce que ça, c'est la seule incitation qu'ont les plateformes, les gestionnaires des plateformes. Donc, une publicité qui est affichée pendant une seconde a un certain impact. Et cela nous amène à tout un marché noir, à de centres de production qui est géré par des trolls. Et ces phénomènes ont un impact, une influence sur les processus électoraux. Et on vient de publier un rapport sur les activités de trolls en Ukraine qui ont coopéré avec des responsables politiques en campagne électorale. Et quand on regarde ces activités en Chine, on constate qu'il s'agit d'un modèle commercial très, très profitable. Donc, je saisis l'occasion pour présenter Mira Milosevic. Elle est responsable de la coalition dynamique de la durabilité du journalisme. Il nous reste encore 3 commentaires, donc veuillez être bref. Et puis après, on va passer aux 2 dernières coalitions dynamiques. Je voudrais juste réagir brièvement à ce que vous venez de dire. Je partage tout à fait vos préoccupations. Et je les comprends aussi. Et je suis d'accord avec vous. Le modèle qui est basé sur les publicités constitue effectivement une véritable valeur. Ça, c'est une possibilité de création de valeur pour les plateformes. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de la seule possibilité. Parce qu'il faut regarder les disposition sur l'utilisation de ces plateformes. Je pense qu'il devrait y avoir plus de responsabilités de la part des plateformes. Un dernier commentaire de la part de Christopher. Nico, merci beaucoup pour votre approche très différenciée. Il y a effectivement ce modèle qui est basé sur l'affichage de publicité. Nous le connaissons tous de l'ère de la télévision. Cela marche très bien, mais les intérêts des utilisateurs sont également très importants dans ce contexte et il faut trouver un équilibre. Les consommateurs ne souhaitent pas uniquement avoir des publicités qui sont taillées sur mesure, ils veulent avoir un équilibre des informations, de la publicité, des informations concernant la santé, les élections, les finances et toute une diversité d'informations. Il y a des plateformes telles que YouTube Kids, par exemple. Là, le modèle commercial est basé sur les jeunes qui sont des consommateurs potentiels. Et donc, on publie des publicités et les algorithmes sont vraiment programmés à cette fin. Mais ce n'est pas le modèle commercial. Il s'agit vraiment
de capter les enfants. Lina, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire? Ah non, peut-être je passe tout d'abord la parole aux autres coalitions. Ah non, vous d'abord. Ok, Chris, je m'appelle Chris. Bonjour, je pense qu'il est très important de réfléchir sur la façon dont fonctionnent les plateformes. Demain à 9h30 dans la salle 1, on va organiser une discussion sur le fonctionnement des plateformes au Brésil et aux États-Unis, et notamment sur la question de savoir à quel point ils ont eu un impact sur le processus électoral dans ces deux pays que je viens de mentionner. Merci. Je suis très contente qu'il y aura encore deux coalitions dynamiques qui doivent prendre la parole. Donc, la coalition dynamique sur la durabilité du journalisme, qui est représentée par Mira Milosevic. Je pense que vous êtes la coalition la plus jeune, si je ne me trompe pas, mais pourtant, vous êtes déjà très actif. Vous travaillez dans le domaine de l'accès aux informations. Un des ODD est l'égalité et des institutions fortes. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Quels sont vos projets pour l'avenir? Bonjour. Veuillez excuser que j'ai déjà pris la parole. C'est très difficile pour moi de vous expliquer ce que nous avons déjà fait parce que nous sommes constitués il y a seulement très peu de temps. Mais effectivement, nous travaillons déjà en tant que groupe avec Marc et le secrétariat. Nous avons donc coopéré déjà très activement et notamment dans le domaine des ODD. Nous avons un forum global pour le développement de médias qui existe depuis 2014. C'était pour la première fois que nous avons formulé ces ODD. Et depuis très longtemps, nous œuvrons en faveur du droit à la libre expression, à la liberté de l'expression. L'ODD 10, 1 et 2 sont au centre de nos préoccupations. Et nous sommes très contents de pouvoir vous faire part du fait que l'indicateur pour l'ODD 10.1 a été réalisé grâce à notre coopération avec l'UNESCO. Nous avons collecté toute une série de données pertinentes. Nous avons travaillé sur la sécurité des journalistes. Puis nous travaillons également sur l'ODD 16, qui est consacré à la paix et aux sociétés. Et quand on regarde les activités pour en faveur de cette ODD, il y a quand même un lieu d'être un petit peu préoccupé. Il y a plus d'inégalités, plus de recours à la violence. 80% des personnes concernées vivent dans des régions qui sont exposées à des attaques violentes. Nous constatons également qu'il y a un nombre croissant de fausses informations, notamment dans le contexte de campagne électorale. Christopher va en parler demain à l'occasion de cette manifestation. Donc nous nous sommes penchés sur cette ODD et nous avons constaté qu'il n'y a pas tellement de marge de manœuvre de coopération. Nous devons traiter les problèmes des cyberattaques, des activités des trolls, des activités malveillantes. Et jusqu'à présent, nous ne disposons pas encore de forums adaptés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer un groupe, donc une coalition dynamique qui est consacrée à ce volet. Donc il nous reste encore énormément de travail, beaucoup à apprendre.
et nous nous sommes fixés des objectifs. Nous coopérons avec des partenaires, chez Eurodic par exemple, avec l'UNESCO, avec l'Information Democracy Commission. Nous organisons des conférences consacrées à la liberté de presse, justement pour diffuser nos recherches et pour donner une voix aux journalistes concernés, parce que nous sommes convaincus que la régulation des contenus qui sont diffusés sur Internet ne doit pas seulement traiter la régulation des contenus, mais il faut également renforcer les contenus en tant que tels. Merci beaucoup. Chaque sujet qui est soulevé ici mériterait effectivement une journée de discussion entière, si ce n'est pas plus. Et je suis vraiment très heureuse de constater à quel point vos travaux sont intercalés. J'essaie d'établir un lien, car en effet, nous l'avons entendu de la bouche de Christopher Morrison. En ce qui concerne la reddition des comptes et l'approche par rapport à la connectivité, Christopher fait partie de la DC neutralité du net. Et récemment, l'an dernier, il s'est centré sur les capacités des nouvelles technologies par rapport à la neutralité du net, par rapport à l'ODD 9, infrastructure, innovation, mais aussi y a-t-il un lien aux droits humains et au droit à un accès libre. Alors, quid de votre sentiment sur l'impact négatif sur les technologies telles que l'Internet des objets, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire, comment rebondir sur ces effets négatifs dans le cadre de vos travaux directement et aussi plus globalement? Oui, je voudrais nommer trois groupes de héros. Tout d'abord, nos animateurs qui, pendant deux heures, établissent des liens formidables et font en sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Ne manquez pas, à l'adresse du public, de prendre la parole sur la fin. Et je voudrais aussi rendre hommage à notre public en ligne qui nous reste fidèle alors qu'il se fait tard. Nous avons le coordinateur de notre DC qui est là depuis 7 ans déjà. Je crois que nous faisons partie des DC d'origine avec celle sur les voyages. Et une dernière chose, je suis professeure de droit au Royaume-Uni et mes collègues sont en grève en ce moment sur un plan national pour lutter contre l'érosion de nos retraites. J'ai donc 2 minutes, je vais ignorer la montre. La DC a travaillé en faveur d'un accès libre à Internet. Vous avez dans vos pays différentes lois, comme par exemple la loi sur un Internet ouvert. Et nous travaillons depuis 2013 sur des projets de loi que nous préparons sous l'égide de l'UCA. J'ai travaillé avec le cadre modèle qui s'inspire de la recommandation du Conseil de l'Europe sur la neutralité. C'est l'un des succès précoces de la DC. En 2019, nous travaillons sur les compatibilités, bon, je ne vais pas me faire juge, sur donc l'accès à la 5G, par exemple, donc la cinquième révolution industrielle et l'Internet des objets. Nous avons produit une carte sur le Zero Rating, zerorating.info, c'est le site Internet consacré.
Si vous allez sur Network Neutrality, vous allez voir nos travaux. Les trois premières années, j'ai travaillé avec Primavera et nous avons produit ce que vous voyez ici, donc quatre livres. En fait, c'est assez extraordinaire. Avec Tim Woom, par exemple, Alexis Charker, Louis Pouzin aussi a contribué. Beaucoup de pères de l'Internet. Pas Tim Berners-Lee, c'est lui le père du web, mais Louis Cousin également. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui nous ont aidés chemin faisant. Et bien sûr, le travail de Christopher. Par exemple, les travaux sur la neutralité du net et ce qui peut avoir des conséquences parfois perverses. Il y a un éléphant dans la salle. Michael, tu l'as dit, le capitalisme de surveillance. Nous manquons d'engagement de la part de l'industrie. Nous souhaiterions voir plus d'engagement de la part de l'industrie. Au sein de la DC sur la neutralité, on va fâcher les opérateurs de télécommunications, mais nous souhaitons que l'industrie s'engage davantage. Une des choses qui peut nous être utile dans notre travail sur les ODD, c'est travailler à travers les DCO, autant que faire se peut. Ne pas seulement se réunir ici à la fin de l'IGF, mais travailler main dans la main. Nous avons par exemple la coalition des jeunes qui s'implique en la matière, notamment en ce qui concerne les régulations télécom. Nous avons des millions de personnes qui s'intéressent à cela. Et il faudrait une DC sur la désinformation, c'est ce qui a été proposé. Mais ce n'est pas la peine parce que nous nous penchons déjà dessus. Les droits humains, les valeurs fondamentales, les questions de genre, etc. Plus nous joignons nos forces à travers les DC, plus nous serons percutants dans nos travaux. Et nous aurons un Internet inclusif qui sera à la hauteur de nos attentes. Et il y a le travail du professeur Leonard qui a eu un impact très fort sur la neutralité du net, sur le réseautage, et nous souhaitons en faire plus à l'avenir. Allons-y! Nous souhaitons que ce soit vraiment dynamique. Merci beaucoup, Chris. Tu as dépassé le temps, mais on va te pardonner parce que tu es la dernière coalition. Il se peut que nous dépassions le temps un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions du public après l'intervention de Chris? Il vous faut un microphone? Il y a aussi beaucoup de mères d'Internet, ne l'oublions pas. Approchez la table. Merci. Jennifer Boucher de NVIDIA, félicitations tout d'abord d'avoir lancé la nouvelle coalition dynamique. Un jour, vous serez vieux officiellement. Une question très large à laquelle il n'y a pas de réponse facile, mais elle est facile à poser. Quel serait votre commentaire sur la régulation par l'État? Les médias ne sont pas toujours bien entourés en ce qui concerne les gouvernements. Question pertinente, merci. Les journalistes et les médias n'aiment pas la régulation. Bon, il nous en faut sur la radiodiffusion, évidemment, parce qu'il y a un nombre limité de fréquences. Mais dans la presse, traditionnellement, l'autorégulation était préférée. En ce qui concerne la liberté d'expression, ce serait idéal si l'industrie pouvait s'autoréguler. Il y avait ce grand espoir comme quoi cela se passerait en ligne. Malheureusement, nous voyons que quelques tentatives de mettre en place des codes de bonne déontologie et des mécanismes d'autorégulation ne fonctionnent pas.
ne faudrait pas les abandonner. Il ne faudrait pas arrêter de travailler sur des plateformes pour voir quelles devraient être ces valeurs communes à tous. Mais il semblerait que les États doivent commencer à réglementer moins les contenus, mais plutôt le marché. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette question, puisque il est exactement 18h30. C'est la fin théorique de la séance. Mais je n'ai pas vraiment envie de conclure maintenant. S'il y a des questions, nous sommes là pour vous écouter. Je voulais dire, Tatiana, que c'était une séance merveilleuse. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, de nous avoir écoutés. On vous a retenu de la nourriture qui est dehors. Nous avons entendu beaucoup d'histoires formidables sur les acquis des décès. Alors, est-ce qu'il y a des choses que pourraient faire les décès pour renforcer les ODD? Merci. Une question aussi. Si je puis... Sur la régulation, cela fait 35 ou 40 ans que d'aucuns parmi nous essaient justement d'éviter la régulation des plateformes. Et c'est Chris qui m'inspire. La neutralité du net était une approche positive. Positive pour ouvrir l'Internet. Il y a une partie de la discussion sur cette régulation qui peut être négative. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des régulations holistiques positives pour protéger et en même temps ouvrir? Bonne question. À 18h32. Oui. Si on travaille dans le domaine depuis longtemps, on connaît évidemment l'historique. Un résultat du débat sur la neutralité du net, c'est que il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas bloquer des choses. Il est difficile de faire vraiment plus parce que il est très difficile, en fait, de faire régner la transparence en la matière. Donc, c'était un problème géant. Et maintenant, il y a moyen de réglementer ça assez facilement. Demain matin, 9h30, je vous donne rendez-vous. Ça ne va pas surprendre Nigel. Mais on va mettre en lumière des problèmes des plateformes. Nous avons l'ADC sur la responsabilité des plateformes. Et les lois électorales ont fait l'objet d'un travail considérable au sein du Parlement européen, dans le Commonwealth, en Afrique, dans les Caraïbes. Il est choquant de voir que nous ne sommes pas capables de réglementer, notamment en période de campagne électorale. Il va falloir veiller au grain, parce que c'est quand même le travail que doivent faire les régulateurs. Si les élections ne se passent pas bien, il y a un souci. Il n'y aura pas réélection. C'est un domaine où les politiques, en fait, sont très motivés pour comprendre ce qui se passe. Mais les lois sur la désinformation en ligne ont été faites après les élections par les gagnants. Donc ces lois ne sont pas toujours aussi parfaites qu'on pourrait le penser. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30 au sein de l'Atelier. Merci beaucoup. Une urgence? Oui, Linda, vous pouvez partir. Encore deux, et après, il va falloir terminer. Une question qui n'est pas une question, mais un appel à action. Pour un autre ODD,
qui sera l'objet d'un débat dans une autre séance. Il s'agit de l'ODD 13 sur l'action climat. Toutes les DC devraient travailler ensemble sur la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes en pleine crise climatique. Il y a urgence. Nous y avons travaillé à travers notre article 4 et nous accueillons tout le monde qui souhaiterait travailler avec nous pour le prochain IGF. Pas à notre réunion annuelle, mais en séance principale. N'hésitez pas à venir me voir, de parler à tous les membres de la coalition. Vous êtes les bienvenus pour ce débat pour l'année prochaine ou les prochains IGF nationaux. Les jeunes sont hyper dynamiques là-dessus. Ils veulent voir du changement. Ils veulent que la communauté IGF se penche sur la question et on ne le fait pas assez. Merci. Il est difficile de discuter d'accès si on n'évoque pas en même temps la durabilité. Merci beaucoup, Linda, pour ça. Si on ne s'attaque pas à toutes ces questions, notamment comment nous choisissons nos représentants au sein des élections et comment ils prennent leurs décisions, on ne sera jamais capable d'atteindre nos objectifs. Et nous souhaitons évidemment lutter contre le changement climatique. L'EDC et la structure IGF est cruciale pour atteindre un certain nombre des ODD. Merci beaucoup. Il faut rendre l'impossible possible. Tout le monde a été écouté, mais il y avait une proposition pour un résumé. Ça fait 7 minutes de dépassement. Pourquoi ne pas tweeter ? Lâchez-vous, tweeter. N'est-ce pas ? Votre résumé personnel de votre coalition dynamique pour atteindre les ODD, lâchez-vous, tweeter. Je repasse la parole à Michael pour le résumé du résumé du résumé. Ça, c'est du ciment, c'est de la colle, ça marche, c'est super, ça va permettre à l'IGF de tenir. Et on sera encore meilleur dans nos travaux. Nous aurons une approche de cohésion et nous nous inviterons mutuellement à rejoindre nos séances respectives. Et tous ces liens, toutes ces connexions seront formidables. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, d'avoir pris le temps. Vous avez été juste géniaux. Merci beaucoup au public de nous avoir écoutés. Je voudrais remercier Yuta et Marcus qui ont été nos brillants animateurs. Ce sont eux, en fait, qui composent ce puzzle. Merci beaucoup. Merci à Lina, à Eleonora du secrétariat qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des heures. Et pour terminer, merci le personnel ici. Tous ceux qui nous ont donc permis de faire ces travaux et qui nous ont même permis à dépasser le temps. Merci beaucoup à la responsable de la transcription par écrit. Merci beaucoup, beaucoup à tous. So much. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Tatiana. C'est vraiment elle qui a été très active. Mais je voudrais vous remercier aussi. Vous êtes vraiment celui qu'il faut remercier ici. Je vous propose d'applaudir le panel et merci. À l'année prochaine.